Les gens qui achètent 20 plaquettes de beurre aussi. Genre, t'es quoi, t'es pâtissier? Si t'es pas pâtissier, je comprends pas le concept. Les tensions se font ressentir. On a plus de rythme en fait, on a plus trop de rythme là. Et on en est à se regarder en mode, c'est toi qui as pété? Non, c'était moi. Et si tu te demandes, qu'est-ce qu'on fait nous pendant ce confinement? Eh bien, la réponse est la suivante. Très concrètement, on fait que bouffer. À partir de demain, on recommence à être efficiente, n'est-ce pas Nayanka? Parce que j'ai mis de côté les études à distance et puis parce que aussi je répondais beaucoup à de commentaires YouTube sur ma vidéo sur mon métissage. J'ai pas compris ce qui s'est passé avec cette vidéo. Donc pour l'instant c'est la vidéo qui a le plus de vues, le plus de commentaires. C'est un peu chiant parce que je me retrouve avec plein de commentaires super négatifs. Donc d'où l'intérêt que quand tu as aimé une vidéo, quand tu aimes ce que la personne dégage ou que tu aimes son message, il s'agirait de vraiment laisser au moins un like sur la vidéo, laisser un commentaire pour soutenir en fait le créateur de contenu parce que, ou la créatrice. Parce que franchement, c'est des fois dépitant de voir que t'as que des mauvais commentaires ou t'as une grande majorité de mauvais commentaires. Parce que les gens, pour laisser des mauvais commentaires, par contre, ils y vont. Mais c'est vrai que quand on a aimé quelque chose, on ne pense pas forcément à dire « Ah oui, j'ai aimé pour telle raison. » Ou alors « On pourrait peut-être améliorer tel aspect de ça. » Ou alors « J'aimerais apporter telle nuance sur le sujet. » Et c'est vrai qu'on a souvent tendance à dire juste quand on n'aime pas. Et moins quand on aime. C'est aussi ce qui reste dans la tête de la personne qui lit les messages. Généralement, on retient plus le négatif que le positif. Que la vidéo, en fait, elle a pris des milliers de vues en fait d'un coup et j'ai pas trop compris d'où ça venait. Merci. Et du coup j'ai eu beaucoup de mauvais commentaires. 98% des commentaires que j'ai eu sont méchants ou pas cool. Donc vraiment si jamais tu suis un youtubeur, que tu suis n'importe quel un artiste ou n'importe quelle personne que tu apprécies ou que tu apprécies son travail ou son œuvre, vraiment, genre, dis-le quoi, parce que je trouve qu'on est vraiment trop dans un monde passif où, même si on apprécie quelque chose, on dit pas, on consomme en fait tout et n'importe quoi sans même remercier un minimum en fait le créateur de contenu. Et en fait, ça, je me rends compte parce que moi aussi j'étais comme ça avant. Maintenant, là, ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois même. Je lâche à chaque fois un pouce bleu ou un pouce vers le bas si la vidéo ne m'a pas plu. Mais en fait, pour moi, ça sert à rien de lâcher un pouce vers le bas si jamais tu ne vas pas dans les commentaires ensuite pour expliquer ton propos, tu vois. Si jamais si tu lâches un pouce juste vers le bas pour dire que t'as pas aimé, je trouve ça un peu nul. Ça sert à rien même à la personne parce que ça donne pas un indice. C'est pas un indicateur en fait de ce qui a pas plu, tu vois. Je trouve que c'est un peu nul en fait l'effet pouce haut, pouce bas. En fait, pense à en fait remercier la personne pour son travail et pour lui dire ouais j'aime ce que tu fais pour telle raison ou je suis pas d'accord avec toi mais pour telle raison et telle raison, enfin laisser des commentaires constructifs en fait parce que les gens tu fais des mauvais commentaires alors que tu n'as pas regardé la vidéo en entier aussi, alors ça c'est quand même quelque chose. À ce moment là en fait abstiens-toi, ça ne mène à rien en fait. si tu n'as pas toutes les informations, tu n'es pas même de juger la vidéo ou quoi que ce soit, donc bref voilà, j'avais ça sur le cœur, je voulais le dire. Hier sur les réseaux sociaux, j'ai commencé à voir malheureusement des scènes de gens qui se battent dans les magasins pour tel produit ou tel autre. Et je trouve ça trop triste et ça me fait trop de peine. Et à la fois, c'est la bêtise humaine quoi, qui ça m'exaspère. On n'a pas dit qu'on arrêtait d'approvisionner les supermarchés en fait. Donc je comprends pas le principe quand on te dit qu'il va y avoir quelque chose. Pourquoi tu penses qu'il y en aura plus? En fait, c'est tous ces comportements là d'égoïsme qui créent la pénurie. Donc arrêtez. Si toi tu fais partie de ces gens qui ont stocké de ouf et qui vont dans les magasins et qui continuent de stocker, mais arrête parce que ça n'a aucun sens en fait. Et juste soyons solidaires quoi, parce que toi tu prends 15 paquets de pâtes et la mamie qui passe derrière toi, elle va rien avoir donc... les gars, arrêtez. En plus ça fait flipper tu vois, parce que tu te dis là, c'est une situation qui est relativement minime en fait, dans le sens où il n'y a pas eu une apocalypse, il n'y a pas eu genre une catastrophe naturelle qui a fait des milliers de morts et on peut plus rapprovisionner les trucs, enfin tu vois, genre la situation elle pourrait être encore beaucoup plus grave et déjà rien qu'avec cette situation que je vais qualifier de minime entre guillemets, parce que bon je ne cherche pas à minimiser le truc non plus, mais pour dire que ça pourrait être beaucoup plus grave, on a déjà des comportements super irrationnels alors que c'est pour pas grand chose. Donc vraiment le jour où il y a une apocalypse, j'espère que je ne serai plus de ce monde parce
parce que franchement, les gens ils se battent déjà pour du PQ quoi. Genre du PQ. Mais les gars, vous avez cru quoi? Genre les gens qui achètent 15 paquets de rouleaux de PQ, vous avez cru que c'était vraiment l'essentiel pour vous? Vraiment, le PQ? Genre tu sais pas qu'il y a des douches qui existent où tu peux te laver les fesses? Je sais pas. Les gens qui achètent 20 plaquettes de beurre aussi. Genre, t'es quoi? T'es pâtissier? Si t'es pas pâtissier, je comprends pas le concept. Pourquoi tu fais ça? J'ai vu plein de gens acheter des plaquettes de beurre en masse. Je comprends pas. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire des brioches? Ils vont battre le coronavirus avec des brioches? Je sais pas. C'était une très bonne journée. Moi, je vais commencer par faire un peu de montage pour bah, les vlogs que tu vois. J'ai trop de chance. Je me fais nourrir. Ça, c'est cool. Ce petit déjeuner qualitatif. There are deal breakers where I come from. My family don't suffer. Et je fais du montage encore et encore. J'ai mal aux yeux. On a atelier cookies dans la cuisine apparemment. Des cookies au quinoa. Hâte que ce soit bon. Hâte que ce soit bon. That looks amazing. Bon, finalement il est 18h, on s'est endormi comme des merdes. Donc là je vais préparer une quiche au poireau épinard fromage. J'aurais bien aimé faire un houmous aussi. Et puis un truc aussi genre du riz et du saumon. Bon là j'ai un peu trop d'idées comme d'habitude. Dès que je veux cuisiner, comme d'habitude, trop d'idées qui me viennent en tête, trop de trucs. Et au final je m'y mets et je cuisine pendant 4h et ensuite j'ai trop de nourriture. Donc bon, là ce qui est bien c'est que dans tous les cas avec moi j'ai un ventre sur pattes, donc cette nourriture sera mangée, donc il y a au moins ça de prix. Et pour bien faire les choses, on se met un petit podcast de My Better Self pour se motiver et pour prendre le pouvoir sur notre vie, n'est-ce pas? J'avais acheté ça dans le but de me dire oui, c'est du carton, c'est cool, c'est écolo, et à l'intérieur je trouve quoi? Donc au lieu de laisser le plastique qu'il a d'habitude, plus le papier qui enroule la pâte, ils se sont dit on va mettre du carton, comme ça on pense qu'on est écolo, ce qui crée un emballage en plus. Bon, je te retrouve quelques heures après. Il se trouve que, évidemment, je me suis chauffée de ouf. Donc voilà. J'ai commencé à faire un houmous aussi. Alors oui, tu vas me dire, mais il y a des olives et des cornichons dans ton houmous. Je sais pas si t'es au courant. Oui, en fait, dans mon houmous, je mets à peu près tout et n'importe quoi, en fait. Tout et n'importe quoi. Donc là, je vais ajouter de la crème de sésame et du jus de citron. Et puis on va mixer tout ça. Et de l'ail, bien sûr, énormément d'ail, de l'ail frais et de l'ail en poudre, sel, poivre, etc. Faut savoir que je mets de l'ail dans tous mes plats. Donc ça vraiment, je sais pas comment les gens font pour cuisiner sans ail. J'en mets des tonnes et des tonnes, tout simplement parce que déjà j'adore le goût en fait, bien que la laine qui suive soit pas toujours le top, mais c'est pas grave, j'adore le goût, en plus ça te garde en bonne santé, donc amen à l'ail. Vraiment, si tu es triste, je te conseille de mettre de l'ail dans ta vie. C'est pas joli, mais c'est bon. Et c'est l'essentiel. Mmh, yes, trop bien. Trop bien. Et ben voilà, c'est pas beau ça. I did spend more time filming than actually cooking. J'ai mis 3 heures pour faire une quiche, du houmous. Une sauce truc et je l'aurai. 2h30. En tous les cas, c'est beaucoup. Et si tu te demandes qu'est-ce qu'on fait nous pendant ce confinement, eh bien, la réponse est la suivante. On mange. On mange, on mange et on mange. On est vendredi. Je commence à perdre la notion du temps. Les tensions se font ressentir. On a commencé à perdre le rythme, c'est-à-dire qu'on fait 2 siestes par jour alors qu'on dort 8 heures. Par nuit. Et on en est à se regarder en mode c'est toi qui a pété? Non, c'était moi. C'est historique comme situation. Aujourd'hui, on n'a vraiment pas fait grand chose. On a dormi,
Moi, j'ai fait du montage. Lui, il a regardé des mangas. Vraiment, on n'est pas du tout sur une productivité. On n'a pas fait de sport. J'ai des courbatures depuis le sport de ouf. Genre, j'arrive même pas à me tenir droite debout, c'est ridicule. Ça fait déjà 3 jours. Hein. L'odeur se fait ressentir. Il serait peut-être temps d'aller se doucher. Très concrètement, on fait que bouffer. On fait que bouffer et rester allongé. C'est-à-dire que dans le clic-clac que j'ai, il y a un trou au niveau de là où on s'assoit et où on dort. Ça en dit long. C'est le cinquième jour de confinement. On commence un peu à tourner en rond, très honnêtement. J'avoue que là, il parle en plus de d'éteindre le confinement, enfin de l'allonger, à un mois, voire un mois et demi. Et ça fait un peu flipper. Donc voilà, en attendant, je suis en train d'essayer de catch up sur mes cours parce que j'ai complètement négligé ça. Donc je vais essayer de garder le rythme un peu parce qu'on en est très loin. Apparemment on retournerait pas en cours ni pour passer les examens. Bon, il n'y a rien qui est encore confirmé mais ça, c'est ça un peu la situation. En attendant, Kim va nous faire à manger. C'est toujours lui qui cuisine, j'ai trop de chance. Il nous a fait une petite recette avec des petites crevettes à l'ail. Ça a l'air ouf. C'était la session ménage qui fait du bien. La maison sent bon. Et voilà, j'ai encore une fois changé l'appart. J'ai l'impression d'être dans un autre appart et ça me fait kiffer. Changer le mobilier, ça me procure vraiment du bonheur. Et je fais ça toutes les 3 semaines. Habiter dans un appartement de 22 mètres carrés. Il y a pire, hein, mais il y a mieux aussi. Je sais pas si on entend, mais il y a des gens qui applaudissent parce qu'il est 20h. Et nous aussi. I can't whistle, that was just a second. Merci! Il y a eu des messages concernant un complot mené par le gouvernement. C'est un mec qui dit qu'il y a déjà une solution en fait au virus, qu'il y a un traitement. Le gouvernement ne prendrait pas ça au sérieux et aurait évincé en fait le docteur. Des théories, il y en avait pas mal, comme ça quand même, sauf que celle-ci elle a l'air quand même d'être assez véridique. Mais voilà, on se bat. Donc moins le plat, moins le poids du plat, tu manges quand même 1 kg de nourriture. Good luck. Quant à moi, je suis là avec une petite coiffure magnifique. Quand j'essaie d'étudier, bien sûr, je suis distraite par tout et n'importe quoi. Bref, du coup, j'en suis arrivée à me faire cette coiffure-là, qui n'est pas du tout bien réalisée, mais je voulais tenter. Et en fait, je suis encore en train de terminer un exposé qu'on a sur le corollaire de Roosevelt, sur la doctrine de Monroe. C'est vraiment, vraiment très intéressant. Ironie quand tu nous tiens. On est en train de jouer à un jeu, ça s'appelle A Way Out. On doit s'échapper d'une prison. Ensuite on est en cavale et on doit genre voler des voitures, essayer de survivre et tout. Donc, c'est trop drôle. Franchement c'est trop bien, c'est un jeu que tu dois jouer à deux. Franchement les effets ils sont tellement bien faits, c'est tellement bien réalisé. Franchement les créateurs de jeux vidéo, respect les gars, c'est trop beau, c'est trop bien fait, c'est vraiment réel quoi. Et genre toutes les options qu'il y a, enfin, c'est ouf en fait tout le travail qu'il y a derrière. Donc ouais, trop cool de découvrir des jeux vidéo avec donc Kim qui est un grand fan des jeux vidéo bien entendu. I wanna be left alone, but you're all up in my head just like headphones. I feel like ever since you got my digits, can't find a way to stop my line from ringing. Photo shoot, she sent me pics, I love them. Don't call so late, you gon' get me in trouble. We act like strangers when we out in public, but that wasn't our first time meeting, was it? I know where you keep your secret stash at, and your favorite strand, and where you make that extra cash at. Probably have a man. Je suis censée finir avec
10 burpees, mais je peux pas. Donc on va faire un autre exercice de substitution. Let it ring a few times. I know that you'll still be mine. Yeah. On a fait une séance de 40 minutes à peu près. Et maintenant on va aller manger, ça va être trop bien. On n'avait pas perdu de temps, on avait commandé Uber Eats avant de sortir. Et du coup, Thai to Box. C'est pas un fast food en fait, mais genre je sais pas, ils font des pâtes, genre des pâtes à la Thai quoi. Et c'est trop bon et ça coûte pas du tout cher. Je sais pas si c'est une chaîne, je crois pas. Mais si t'en as dans ta ville, va tester Thai to Box, c'est vraiment trop la vie. On a commandé 3 box. Et déjà j'adore parce que c'est dans les trucs comme dans les films américains, tu sais. Quand ils commandent chinois, c'est toujours des trucs blancs comme ça et tout, du coup je trouve ça trop cool. En fait ce que j'adore chez Thai to Box c'est que tu peux choisir. Tu choisis ta pulpe, du coup t'as de l'ail, de l'oignon, du gingembre. Et donc évidemment moi je prends de l'ail. Si je pouvais prendre 4 doses d'ail, je prendrais 4 doses d'ail. Mais ce n'est pas le cas. Mais franchement c'est trop bon, ils mettent à taquet d'ail si tu prends ail, donc trop bien. Ensuite tu choisis si tu veux tes pâtes genre de nouilles de riz, si tu veux du riz cantonné, non c'est pas du riz cantonné, du riz sauté je crois, avec des légumes, si tu veux juste des légumes, ou si tu veux des nouilles de blé. Et puis ensuite tu choisis bah, si tu veux du poulet, du calamar. Moi je prends tofu et ensuite tu peux choisir ta sauce et puis tu peux choisir ton topping. Et moi je prends toujours des cacahuètes grillées que tu mets dessus, j'adore. J'avais découvert ça en Thaïlande, les pad thai en fait, où t'as tes pâtes et t'as des cacahuètes grillées dessus. Ça vient, ça apporte tellement, ça apporte du croquant, ça apporte trop un petit goût, genre trop en plus, j'adore. Donc ouais, Thai to Box, j'ai découvert ça en arrivant à Montpellier, mais vraiment le meilleur truc. Bon après c'est gras parce que bon, ils mettent beaucoup d'huile, ils mettent du sucre aussi. Bref, il y a la sauce qui est pas super healthy, mais c'est trop bon et de temps en temps ça ne fait pas de mal. Surtout là, après la séance de sport qu'on vient de faire, ça fait trop plaisir. J'avais pas trop filmé cette semaine, il y avait pas grand chose à voir puisque c'était surtout de la procrastination, des jeux vidéo, de la nourriture. Il s'est pas passé grand chose. Il y a eu de nouvelles restrictions par rapport au confinement, donc moi je suis pas sortie. Ça fait 10 jours que j'étais pas sortie, donc là ça fait vraiment du bien d'aller prendre l'air, de sentir l'odeur de l'herbe quoi, l'odeur de la nature. Franchement c'était trop bien. On était juste en bas de la résidence, juste vraiment en bas, et on est rentré directement après. On est en train de regarder un film, ça s'appelle The Hunt. Je vais retourner à la petite vie. À la prochaine. It's a sin to go at night. Blessing baby in the daytime. Goosebumps rise at night. And settle back down at